Just a Girl du groupe No Doubt. Et on est sur le solo. J'ai déjà travaillé avec d'autres élèves ce truc-là, mais ici, ça va être sympa. On va travailler à deux guitares. Donc, une guitare, je vais faire la guitare rythmique et c'est Philippe qui va faire le slow. On va peut-être déjà d'abord montrer ce qui se passe. On est sur un si mineur. Et on a un petit arpège ici qui tourne sur le si mineur. Quinte, tonique à l'octave, tierce. On démange, mais on ne repique pas. Hein. Donc, retour sur la tonique. Quinte, quarte. Voilà, tout ça, c'est des croches. Attention au sweep. Hein. Donc ici, on sweep vers le bas. Après, on ne repique pas. On sweep vers le haut. Et on repique vers le bas. Et après, c'est des noirs à contretemps. Donc, on va d'abord lancer la phrase sur un non. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé là? Merde, j'ai bougé à quelque chose. Non. Ah, t'es plus dans le bon répertoire. Oui, t'es pas dans le bon répertoire. Oui, j'ai tapé sur un truc, je ne sais pas quoi. Ici, voilà. 90, voilà. On y va à 90, hein. Ah oui, juste préciser. Putain! Tu joues dans le truc, hein. Ah oui, mais bon. Quand c'est pas un autre prof, c'est une ambulance. Oui, on démarre sur le contretemps du 1, donc sur la deuxième croche du premier temps de la mesure. Donc, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1. Oui, et j'ai oublié de préciser qu'il y a deux phrases. La deuxième phrase, la note de conclusion, c'est une tonique. Parti, on fait les deux phrases. Hein. Et 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, c'est bon. Donc, Philippe va faire ce truc-là pendant que moi, j'assume la partie rythmique. Diminuer un peu parce que c'est cette guitare qui doit dominer. On y va. Et 1, 2, 3, 4. Quelques petites notes bleues, mais bon, on a compris où on voulait en venir. Voire même absente. Bon, alors on fait la même chose un peu plus vite. On tente le 110 ou bien 110, allez. Allez, soyons fous. Allez. 110. Donc je lance le truc avec toi, et puis après je prends la rythmique. Ouais. Hein. Attention, attends-moi. 1, 2, 3, 1. Magnifique. C'est bon, ça roule.